Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout puissant, éloigne de nous tous ceux qui nous arrêtent, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est en examinant ses œuvres. Ils n'ont pas reconnu l'artisan, mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde qu'ils ont regardé comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien est plus puissant celui qui les a faites. Car, à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur hauteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés.
plongés au milieu de ses œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qui ne descendent pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qui ne retourne pas en arrière.
Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant encore la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, à mesure que nous approchons de la fin de ce temps liturgique, de cette année liturgique, la liturgie nous oriente vers les fins dernières et les images qui sont choisies sont quelquefois terrifiantes, comme nous venons de l'entendre. Le feu, le soufre, ils descendront du ciel pour consumer, ou encore ces personnes qui sont à leurs activités. L'une qui est prise, l'autre laissée, ou encore ces vautours qui se rassembleront là où se trouveront les charognes. Ces images terrifiantes sont propres aux gens littéraires apocalyptiques, mais elles ne font pas le tout de ce genre, qui est d'abord un genre destiné à manifester une révélation de Dieu. L'Apocalypse, c'est la révélation des mystères de Dieu. Et Dieu, il se révèle pas seulement dans les catastrophes, pas seulement dans les événements malheureux, mais dans notre vie tout entière, dans ce monde qu'il a créé, dans la nature, dans la brise légère. Oui, Dieu se révèle dans ce monde et sa révélation s'opère en ce monde présent, en attendant de s'accomplir à la fin des temps. Ainsi, nous pouvons saisir des signes de cette révélation autour de nous. L'auteur du livre de la Sagesse que nous venons d'écouter montre comment l'on peut partir de la grandeur et de la beauté des créatures pour contempler Dieu qui les a faits. Ce disant, il blâme ceux qui tombent sous le charme des créatures et leur vouent un culte, au lieu de se tourner vers l'artisan qui les a conçus et réalisés dans sa grande sagesse. Ceux-là qui sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, mais qui ne savent pas reconnaître celui qui est le maître. Et pourquoi la science cherche-t-elle à se développer en niant Dieu? Comment peut-on connaître ce monde en évacuant son auteur? Alors que les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains.
Oui, comme le dit le psalmiste, pas de parole dans ce récit. Mais sur toute la terre, en paraît le message. Dieu est là, au cœur de ce monde qu'il a créé. La révélation de Dieu s'étend donc à tout l'univers. Mais il faut avoir des yeux de foi pour discerner ces signes dans ce monde qui passe. Dieu se dit à travers les éléments de la nature. Il se révèle aussi dans notre histoire, à travers les événements heureux comme à travers les catastrophes. Tout nous montre que nous n'avons pas notre avenir en ce monde qui passe, mais que nous sommes destinés à une vie éternelle et bienheureuse avec Dieu. En rappelant les deux événements de Noé, du temps de Noé et de celui de Lot, Jésus veut simplement montrer à ses disciples qu'on peut être dans les occupations de ce monde tout en ayant le cœur et le regard tournés vers les biens éternels. Sans cette ouverture vers notre accomplissement en Dieu, nous pourrions être que voués au néant. Oui, au temps de Noé, les hommes jouissaient de la vie sans se soucier de leur destinée, jusqu'au jour où le déluge les a tous engloutis. Pareillement, les concitoyens de Lot n'avaient pas prêté attention aux avertissements du Seigneur et ils ont péri par le feu de Sodome. La femme de Lot, qui a regardé en arrière, est un peu l'image de notre condition quand nous nous laissons accaparer par les préoccupations terrestres sans nous ouvrir à l'espérance du royaume. Comme Noé et Lot, nous sommes donc invités à vivre dans ce monde sans oublier notre vraie patrie. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, au jour du Fils de l'homme, nous ne serons pas des corps sans vie, abandonnés aux vautours, mais nous serons glorifiés par le Christ, revenant nous prendre avec lui. Cette Eucharistie que nous célébrons préfigure le festin qu'il préparera pour ses élus. Puissions-nous nous en nourrir pour raviver notre désir de le rejoindre pour l'éternité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint. Car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles. Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier,
Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre archevêque André et tous les évêques, les prêtres et tous ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, prions en particulier pour Brian. Et reprenons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prions le Seigneur. Fortifié par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina. Amen.